J'espère qu'on va pouvoir augmenter ce glyphe un jour, enfin cette rune. Oula, recule. Père, viens, il faut que tu vois ça. Merde. On dirait que ce levier est là-bas pour le libérer. Il va attaquer. Je sais, mais une créature comme ça devrait pas vivre en cage. Encore tes émotions, hein. Ignore-les et tiens-toi prêt. D'accord. On est piégé dans la salle du boss, c'est terrible. La fête. Ouais, il va sûrement nous donner une pierre pour ouvrir. Oh putain de merde. Attends, je suis parti. Oh ok, il saute lui. Comment je suis censé éviter ce jump quoi? Il saute super loin, enfin il est super large aussi. Allez, Dark Souls. Technique s'améliore. Tu t'es bien battu, Atreus. Merci, père. Voilà. Délivre une puissante attaque infligeant des dégâts d'étourdissement. Repousse ses ennemis à proximité. Possède un effet passif
qui est le temps de récupération lors des blocages, des parades. Puissant lancer de hache qui fauche tous les ennemis sur son passage. Oh, ok. Ok, ça, ça a l'air sympa. Non, attends. D'abord, on va revenir en arrière, vite fait. Est-ce qu'on peut, déjà? Qu'est-ce qu'il y avait là, là? Ah, voilà. Je pense qu'on va pouvoir augmenter pas mal de choses quand on sortira d'ici. Si jamais on sort d'ici. Ah, de l'air frais, ça fait du bien. Non, 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 attends, attends, attends. Le dragon, par contre, il va peut-être pas aimer qu'on combatte là. On a réussi. Ok. Le dragon a l'air de s'en foutre. Ok, ça va. Tant mieux. On dirait que c'est parti. Là maintenant il fait chier, évidemment. Comment fait-on quand on veut rendre des ennemis super chiants? Tu fais en sorte que quand ils te touchent, ils t'empoisonnent. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Pas mal. Des ennemis devant! Ah!
C'est le dernier. C'est le moment de voir si les dragons peuvent se montrer reconnaissants. Il est magique, le gosse. Il a des pouvoirs, je suis sûr. Pitié, ne nous mange pas. Ne nous mange pas. Atreus, prépare-toi. Pitié, ne nous mange pas. Oh, yes. En sprintant 3 secondes, obtenez aura imparable qui empêche les attaques ennemies. Les attaques ennemies de vous interrompre. Oh. L'arme de dragon plus 1. Yes. Libérez les dragons. 1 sur 3. Bon, bah, je crois qu'on a complètement fini. Père, qu'est-il arrivé aux gens qui vivaient ici? Suis les indices, mon garçon. Oui, oui. Suivre les indices. Bon, alors, il y avait un méchant roi, non? Et il obligeait les gens à chasser des monstres, pour ensuite les mettre en cage. Et après, je sais pas. Il nous manque un indice. On retourne dans le château? Non, on ne trouvera rien de plus à l'intérieur. Mais reste à l'affût des dragons enchaînés. Qui sait, tu en apprendras peut-être plus sur le roi nain. Ça, c'est bien parce que, en fait, en gros, ils nous disent... En gros, ça se traduit par « Vous avez fini la zone, vous pouvez vous casser. » Atreus, par ici. Donc ça va. Bien. Attends. Ça, c'est pas mal, qui nous donne un petit dialogue et qu'on sait plus ou moins si la zone, elle est finie. Ça, c'est cool. Quoi? T'es sérieux? Ah ouais, du coup, vu que ça t'a pas compté... Ok. J'suis prêt. Oh, d'accord. Tu m'expliques comment tu fais ça? J'aime pas les combats comme ça à distance, ça fait con mais... Mais des fois c'est un peu plus safe. Je vais voir s'il n'y a pas des monstres en fait qu'on n'a pas... Parce qu'en mourant des fois ça sauvegarde pas, enfin ça sauvegarde à des points spéciaux, à des points précis. Donc si on tue pas les monstres, ça sauvegarde pas le fait qu'on ait tué les monstres. Et moi je veux récupérer l'expérience surtout. Donc on va tuer tout ce qui bouge quoi. On va retourner au nain. Et après je m'arrête là. Je vais regarder un peu comment ça s'appelle les armes qu'on peut créer. Enfin non, peut-être que je regarde maintenant avant d'arrêter. Un truc qui est bien, je suis content, c'est que Kratos, il a pas de barre d'endurance. Ça, c'est vraiment cool.
Genre qu'ils aient pas copié Dark Souls par exemple. Ça putain, oh, je suis content. Parce que sinon ça serait vraiment chiant. Est-ce que j'ai raté la porte ? Ils auraient pu faire un truc comme quoi, genre endurance, voilà, enfin comme les. C'est parti. Les trucs amélioration de l'arme, de l'arc. Et là le pommeau, alors ça non. Ça je voudrais bien l'augmenter encore. Ah non, c'est la truc électrique. Ouais, je pense qu'on va changer pour la poignée machin. Et après on a le talisman. Délivre une puissante attaque infligeant des dégâts d'étourdissement. On trouve jamais de flammes de glace, putain. Oui, mon garçon. Augmente les dégâts des flèches et débloque l'achat de compétences pour l'arc serre avec l'exp. Avec ça, ou moi. Ah, il est joli l'arc. Qu'est-ce que ce sera? Où on en était avec cette autre? Repoussant les ennemis à proximité, possède l'effet passif qui réduit le temps de récupération lors des blocages des parades. Allez, à la limite, on va mettre ça. On va tester un peu. Des dégâts infligés à la hache. Je regarde en fait, plus on a des runes et des objets équipés de haut niveau et plus on monte de niveau. Genre si je remets ça, je baisse en niveau. Donc en gros, il nous force tout le temps à monter. C'est intéressant. Garder un peu de chance. Alors. Augmente considérablement les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. Augmente la cadence de tir. On va d'abord augmenter là, ça. De toute façon, après le reste, on peut pas. Autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Faut plein de ressources qu'on connaît pas. Ouais, on verra ça plus tard. Pas de soucis. Bonne nuit, Vrankturn. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Alors, fais voir un peu l'attaque. Ouh, joli. Joli. Bon allez, on va s'arrêter là. Oh la vache. On avait fini la forteresse du roi nain. Et on avait libéré le dragon. Le premier dragon. On avait fait ça. Donc maintenant, on peut trouver d'autres parties en fait. Enfin, on peut aller autre part. C'était où le roi? C'était là, ouais. Ouais, on a fait ça, on a fait la forteresse naine avec
Enfin, qui appartenait au roi nain et on a libéré le dragon. Donc maintenant, on peut faire autre chose. Alors, fais voir un peu les objectifs. On a des trésors. On a la clé du capitaine. Le capitaine est de... dans le ventre de l'hydre. Son passe me revenait enfin. J'ai vogué vers une nouvelle terre, mais mon bateau s'est abîmé et j'ai sombré avec la précieuse clé. Elle repose juste sous les flots, à la pointe d'un pic sous-marin. J'ai vogué vers une nouvelle terre, mais mon bateau s'est abîmé. Et j'ai sombré. Ok. On va faire ça. Enfin, on va essayer de faire ça. On va essayer de trouver l'endroit. Parce que j'ai vu... Il y a des... Putain, par contre, faut que je me rallonge au... Touche. Okay. Il y a des... Des bateaux échoués pas loin de cette côte-là. Allez, Kratos, une histoire, s'il te plaît. Babor. Pardon ? Babor. Oh, le flanc gauche. Exact. Ah, cool, il récupère les objets comme ça. Oh, yes, très bien. Encore ce navire. Ah, c'est cool, le gosse il réagit en fait. Où est-ce qu'on va? Ça c'est bien ça. Ah, il y a un corbeau ici. On peut s'arrêter ou pas? On peut pas s'arrêter. Carte mise à jour. Ah mais là on est bloqué. Ah non non non, on peut maintenant. Eh oui, on peut. Cool. Salut Faram, est-ce que j'ai hâte de Dark Souls Remaster? Pas plus que ça, j'avoue. Attendez, parce que je me rhabitue au combat. Parce que en fait il faut être super entraîné pour jouer à ça. Ouais. On est bon. Pas plus que ça. Je sais que ça va être bien parce que c'est Dark Souls, mais vu que c'est exactement le même que le premier, bah voilà quoi. On l'ajoute à la collection. On l'ajoute à la collection, exact. 5. C'est quoi ça? Après. Que veux-tu? Bon, tant pis. D'accord. Je peux pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. Tu peux pas les lire, ça marche. Ok, 6. 2-6, non. Je suis niveau 1. On va peut-être s'arrêter, non? Je suis niveau 1. c'est bon, là. Oh merde. Oh, c'était juste. Ah, ah. Oh la vache. Je vais voir si je peux pas les jeter par-dessus bord avec la rage. C'est peut-être une stratégie.
Ah, God of War, ça rigole pas. Je pense que c'est possible, mais le moindre. En fait, le moindre faux pas, c'est one shot direct. Donc, j'ai pas vraiment envie de tester. Ça risque d'être long. Donc, on verra ça plus tard. Bon, en tout cas, on a trouvé un autre endroit, ça c'est bien. On a trouvé un corbeau aussi. Il y a un truc avec le tonneau ou pas? Argent. Ah, ici peut-être. Hé, un autre brasier. Je suppose que tu veux l'allumer. Je peux. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui savent pas comment on se débrouille en mode God of War, c'est que on tourne un peu, on essaye les combats. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, bah on revient plus tard. Ça c'est par exemple. Ça c'est par exemple l'autre explose. L'autre truc volant qui explose. C'est chiant. Kvekia. Je suis occupé, fiston. Blessé. Il est où, ce con? J'essaye de récupérer de la vie. Tire les flèches, j'arrive, tire les flèches encore. C'est bien. J'avais dit, ce combat on peut le faire. Shield. Oh, bien joué, gars. Il a monté de niveau, putain. Shit. Bien joué. J'ai vu autre chose qu'une créature morte ou corrompue parcourir ces îles.
Qu'est-ce que vous voulez dire? La désolation, petit. Elle infeste ces terres et gagne en puissance à chaque hiver qui passe. En connais-tu la cause? Je ne suis pas sûr, mais... je soupçonne l'apparition du Serpent Monde et la grande crue qui s'en est suivie. Beaucoup se sont noyés, dont moi. Les morts sont revenus à la vie peu de temps après. On peut faire quelque chose pour Atreus. Vous? Je désirais seulement parler à quelqu'un une dernière fois. Et vous avez exaucé mon vœu. Gamin, ferme ta gueule. Merci. Ah, vestige. Permet d'améliorer le manche du guerrier polyvalent. Oh, cool. Okay, 2 sur 4, très bien. Salut Marcus. Aujourd'hui j'ai acheté les figurines pop Arteus et Kratos. Ah, elles existent les figurines pop? Les pop c'est les avec les grosses têtes, c'est ça? Il y a du gaz. Ha. Il y a du gaz. Je sais pas si on peut y aller. Normalement, ces rochers-là de couleur, là, on peut les détruire, mais là, il y en a énormément, par contre. Et puis, il y a du gaz derrière, donc je pense pas qu'on puisse. Atreus, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'offrir de l'aide? De pas le faire. Exact. Mais on peut Ce pas... n'est pas un débat. Tu dois apprendre à te concentrer. Notre voyage doit être ta seule préoccupation. Et s'il pouvait nous aider? Tu l'as semblé savoir des choses sur le lac. Et en quoi ça va nous aider à atteindre notre but? On saura pas si on ne demande pas. Tribord. Le flanc droit. Bien. Il y a un objet là, donc on peut aller sur le bateau. Et là, il y a des marques blanches, donc on peut sauter. Donc il y a bien un endroit où c'est qu'on peut accoster pour le bateau. Là, il y a une porte. Ah. Ok. Il y a quelque chose. Le serpent monde est même ici. Je t'avais dit qu'il était grand. Ah ah. Ok, on peut accoster là. On va juste faire un tour et on accoste. Ça c'est le bateau. Ouais, ça c'est le bateau. Il y a encore un corbeau ici. Je sais pas si je suis déjà venu ici ou pas. Je me rappelle plus. Ça me dit quelque chose, donc on est peut-être déjà venu. Alors? Alors quoi? Le brasier? Si tu y tiens. Ah oui. Ah, je crois qu'ils étaient trop au niveau. Ah là, on peut descendre en plus. D'abord, il faut sûrement faire le brasier. Est-ce que... Non, faut s'avancer. Bon, c'est parti. Kvekia. Un crabe qui avance droit. C'est quoi cette merde? Bloqué. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah ouais, j'étais bien là, qu'est-ce qui vient de se passer? Peut-être le mur de glace one shot? Je sais pas.
Bah ça on peut le faire. Ah c'était... Pourquoi j'ai esquivé de ce côté, bordel de merde? Après on peut faire un truc, je vais tester, je vais peut-être en crever mais... Ok ça a marché. Yes. Ah non. C'est renvoyer les attaques, mais si je me loupe je crève en fait. On fait le tank et on laisse le gamin tirer. Ça peut, ça aide. Ouais gamin. Ok, pour eux on fera ça. Bien joué les gars. Je ne pensais pas revoir une bagarre comme ça un jour. Pour eux on fera cette stratégie en fait. Aura imparable, cool. Que veux-tu? Vous remercier. Ces pillards morts m'ont noyé il y a de ça bien des hivers. Et j'attendais que quelqu'un vienne s'occuper de leur cas. Alors vous êtes mort après la crue? Oui. J'étais venu au lac des Neufs pour piller le temple de Tyr. Mais j'avais sous-estimé l'ampleur de la désolation. As-tu vu d'autres hommes? Vivants. Un barbu avec des tatouages. Seulement celui qui se tient devant moi. Merci à vous deux d'avoir vengé ma mort. De rien, bro. C'était simple. Une perte de temps. Eh ben, ils n'ont sûrement pas tous des informations utiles. Ah ah ! C'était le trésor ici, ouais, ok. Bien vu. Voilà la solution des mines. Alors, métal à fusée d'éclair utilisé par Thor, ok. Écarte la clé du capitaine. Ok, est-ce qu'on peut aller là du coup ou pas? Non. Il y a un moyen d'aller sur ce bateau parce qu'il y a un objet. Donc il y a sûrement un moyen. Et puis il y a ça, il y a le corbeau aussi à tuer. Donc il faut se rapprocher. Parce que je peux pas la balancer plus loin. Ouais, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a ça aussi. Je sais pas encore. Sûrement pas les pouvoirs. Là, il y a un brasier. Ça aussi, je pense qu'on peut le casser. Et on va pouvoir monter. Ouais, il nous faut des pouvoirs. Il nous manque des pouvoirs en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça me rappelle, genre les Zelda et tout ça. Et merde. Il faut débloquer des pouvoirs pour pouvoir accéder à certaines parties, etc. C'est marrant, c'est sympa. Ou alors du nouvel équipement. Le prochain aura peut-être plus d'informations. Ne te fais pas trop d'illusions, Atreus. Les esprits sont rarement utiles.
Pourquoi ils existent en fait? Quand la vie quitte un homme, la coupure n'est pas toujours nette. Alors t'as déjà rencontré d'autres esprits? Oui, beaucoup. Comment ils étaient? Pénibles. Pénibles.